Grand Bassam est une ville balnéaire située à l'extrême sud de la Côte d'Ivoire à 90 km d'Abidjan. Elle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire et est aujourd'hui très marquée par des bâtiments qui datent de l'époque coloniale. Pour ça, l'UNESCO l'a classée comme un patrimoine mondial qu'il faut protéger. Le maire actuel est Georges-Philippe Elazé. L'activité principale de la ville est le tourisme, alors on croise toutes sortes de nationalités dans les rues. En plus du tourisme balnéaire, la ville est aussi très visitée pour ses anciens édifices, notamment le palais du gouverneur, etc., et le musée national du costume qui expose tous les objets traditionnels de Côte d'Ivoire. Les ethnies de la région sont le Abouré et le Apollo. Chaque année, le peuple Abouré célèbre l'Abissa à une fête de réjouissance en présence de leur roi. La ville dispose d'une université, notamment l'Université internationale de Grand Bassam, qui accueille des étudiants venus de toute l'Afrique. Certes, Assini a les plus belles plages, mais Grand Bassam a les plus beaux et grands hôtels, qui accueillent souvent des séminaires gouvernementaux. Ajoutons que la ville a été frappée en 2016 par un attentat terroriste, de ce fait les services de sécurité sont postés à tous les artères. Voilà, donc quelques images de la ville. Merci, merci. I come from Nigeria. I come from Cameroon. I come from Ghana. I come from Senegal. I come from Mauritania. I come from Togo. I come from Gabon. I come from Côte d'Ivoire. Thank you.
food, that view, you can't really beat it. Just dig in. Did you see, my name is Victor, and this is Ivory Coast.